Ladies and gentlemen, please remain standing and welcome the President. Mesdames et messieurs, restez campés pour nous accueillir président République Afrique du Sud là, Thabo Mbeki. It gives me great honor to welcome all of you. C'est pour moi un grand honneur pour nous accueillir nous tous dans occasion et spéciale ça dans la vie université noire. I stand yet to congratulate all of those who receive their degrees and diplomas. Moi, complimenter nous tous qui souhaitent recevoir après-midi à l'Université Afrique du Sud certificat, diplôme et doctorat. M'a félicité particulièrement Dr. Jean-Bertrand Aristide pour travail li fait à contribution li porté l'Université pays ça à l'autre côté. In this country and elsewhere. I'm particularly honored and delighted about this because moi sentim particulièrement honoré ak flatté pour ça parce que monsieur Aristide ak madame Li lè yo té vinn lan pays ça yo té engagé yo pour yo continuer à apprendre faire recherche et puis faire travail académique. Alors moi quoi malgré parole plusieurs détracteurs Jean-Bertrand Aristide et madame Li montrer Jean yo vle contribuer pour éducation dans pays ici. As a university we're very proud of and we've been c'est un bagage comme une université nous fait en pile pour ça et puis nous bénéficier en pile tout. Moi t'ai dit à l'air l'aime t'ai commencé par l'air moi quoi ou c'est une inspiration pour tout gradué ça yo qui là à soir pour recevoir diplôme mais moi quoi tout ou c'est une inspiration pour tout l'autre monde qui travaille dans pire place pour pays yo. Finalement, en fait, après mauvais coup ça, si m'est capable dit ça, ou te gen courage pour engager actuellement dans une autre voie pour développement la connaissance. In the development of scholarship. And I think that we are very fortunate. Dans cas ça, moi pense nous gagnons en pile chance dans pays nous. Comme nous ouais récemment en pile leader politique nous et spécialement membre cabinet yo té en fait avancé propre éducation yo ak apprentissage yo c'est un bagage moi té gen raison dans commencement l'année a moi té attiré attention étudiant nous yo sur ça c'est un exemple noble qui chargé à confiance. Sou ki sa la parler réellement, la parler sur un apprentissage pour toute yon vie. C'est yon bagay moi penser nous-mêmes dans l'université Afrique d'ici doit chercher pour fouer dans l'esprit tout étudiant yo, même ça yo qui recevoir diplôme et certificat en même. Mr. Vice Chancellor, I have the honor to introduce to you President Monsieur vice-recteur université a moi gen l'honneur pour introduire à vous-même président Jean-Bertrand Aristide pour doctorat li nan littérature et philosophie. Moi ta rien même mandé conseiller li professeur Ndele Chole pour le parler sous Jean-Bertrand Aristide avant pour nous bali doctorat. Monsieur vice-recteur, moi mandé professeur Chole pour le parler complètement sous passé président Jean-Bertrand Aristide. Mr. Chancellor, Monsieur vice-recteur, après li fin complété études religieuses dans séminaire salésien dans pays République Dominicaine dans l'année 1979, Jean-Bertrand Aristide te gradué tout dans philosophie et puis prend une licence dans psychologie dans l'Université d'État d'Haïti. In 1985, dans l'année 1985, il a recevoir yon maîtrise dans théologie biblique dans l'Université Montréal, Canada. Il a bay quelques conférences dans l'université. Il a travaillé à moun tankou Chomsky. Il a étudié langue hébreu dans yon université dans pays Israël. Avant il était rentré dans politique il était un professeur dans l'université en Haïti. He is a Roman Catholic Church minister. Il s'est un père dans l'église catholique. Il écrit plusieurs articles et puis il publié plusieurs livres tout. Since he arrived depuis l'arrivé ici il fait séminaire et puis il bail conférence dans cadre théologie si tout. Dernièrement il te fait un séminaire dans ville Pretoria côté te gain participation plus passé 50 prêtres et évêques.
For part of his research, he went to KwaZulu-Natal. Li te ale KwaZulu Natal. Li te mem gen chans pase yon ti tan ak wa Zwele Tini. Li pale tre tre bien isi Zulu, epi li gen tan genyen yon konesans nan plije lot lang Afriken. He is now a registered student of Swahili. Kounye ya, li se yon etidyan inskri nan Swahili. Lem te mandel, kouman fè nan yon ti bout tan kon sa li gen tan kapab komunike nan isiZulu, epi ak an pil frè aksè nou ki nan peyi ya depi plis pase 300 an, yo pa kap di yon mo nan lot lang Afriken yo. Li gadem epi li dim nan lang isiZulu, and said, ukubuzelani loko. Pour qui ça ou mande m sa? Monsieur Recteur, Ubuntu personnifie yon origine africaine sous civilisation ak yon tinel pour civilisation la paix. In Umoya Wamagama, the spirit of the words. Nan Umoya Wamagama, l'esprit moyo, yon étude linguistique basée sur yon approche multidisciplinaire. Jean-Bertrand Aristide démontre comment créole haïtien ak isiZulu connecté ensemble sur un terrain partagé psychodynamique ak zansèt nou yo. Psycholinguistics, psychosociolinguistics, ak théori sociolinguistique espè yo utilisé are expertly utilized. Parmi l'autre, ça qui pique clair, c'est échec missionnaire yo à mettre esclave yo pour yo te imposer propre langue yo, vision mondiale à kilti yo. Les yo ignoré référence linguistique à théologique esclave africain yo. According to him, this failure selon Jean-Bertrand Aristide, échec ça a été paraît clair tout dans langue africain yo en Afrique du Sud en bas domination coloniale là à capaté de là Umoya Wamagama. Mr. Vice Chancellor, I now request you to confer. Monsieur vice-recteur université a m'a mandé kounye a pour bay président Jean-Bertrand Aristide doctorali en littérature et philosophie. Bon, m'kwè n'ap kite journaliste 10 acte passé pendant que moi-même m'ap koré sa média ou journaliste ap di avec un gros coup de chapeau pour peuple haïtien. Parce que c'est peuple haïtien qui était présent hier soir dans l'Université Afrique du Sud qui se youn nan 10 pi gros université qui apprend moun la science à distance. Dans le monde entier. Pas en Afrique, mais dans le monde entier. Yon nan 10 pigo yo. Donc, si peuple haïtien était là hier soir, nan yon nan 10 pigo université sa yo, ça veut dire que c'est un gros événement. Pour qui ça peuple haïtien était là? Parce que doctorat ça que moi prends avec travail recherche ça que me fait dans 2 ans, pour me apprendre l'anglais, et apprendre l'autre langue avant de faire travail ça, c'est grâce à peuple haïtien. Parce que depuis l'école primaire, m'apprendre dans mes peuple haïtien et arrivé dans secondaire, me continuer à apprendre dans mes yo. Toute la vie, c'est un cours, c'est dans gros l'école moyenne et professeur c'est peuple haïtien. Donc hier soir,
c'est peuple haïtien qui recevra doctorat en littérature et philosophie ça. C'est pour ça que je suis content les mois que même si haïtien qui pas qu'on lit pas ta prend page ou ordinateur pour écrire ça, mais hier soir il est tourné docteur. Il est tourné docteur parce que petit yo vin docteur. Et ça semblait en pile avec réalité nous gagne dans province lacaille. Les un paysan pas qu'on lit pas qu'on écrit mais fier pour le voir petit l'école. Et les petites la fait certificat. C'est toute famille qui est contente parce que vous senti c'est sué travail qui baille résultat certificat. Si petite l'arrivé docteur, c'est yo tout qui arrivé docteur. Donc c'est pas moi et moi seul, mais c'est tout le monde qui apprend moins en pile bagaille et tout le monde qui t'a remé à l'école qui pas gagné possibilité à l'école qui recevoir doctorat ça hier soir. C'est pour ça que je suis content comme ça. Premièrement, travail ça pas pour moi encore parce que depuis le mois de novembre 2006 moi remettre université à li c'est pour université donc son exception que me copie sous table là parce que en principe il pas pour moi encore c'est ça qui fait que yo pral publier donc n'attend que université a publié pour nous kawe ça kan dans vente li moi ka rapidement dit deux petits mots sur route que je souhaite passer là-dedans avant ma coucher travail là. Premièrement, les nous arrivés ici en 2004, nous arrivés dans un moment très difficile quand tout le monde connaît, puisque après un kidnapping, un chef d'État pour les retrouver loin la Kaili, même s'il n'a bras grand ni, Afrique c'est grand nous. Certainement, l'esprit l'a pensé à la Kaili et dans un moment ça, c'est côté criminel tap touye en pile innocent sans moun ap coulé l'autre qui nan maron l'autre qui en exil ça k ap crier parce que yo injustice ça a fait devant yo et yo pas capable empêcher nous songe nan moment ça yo tout moun sous Bel Air cité soleil Tabac la plaine Carrefour Matissan la Fossette Grand Ravine Jérémy Sud en fait gen côté m pa cité nan yo là même vle di nan quatre coins pays a de la savane au Kay à tout l'autre quartier populaire la Saline temps en temps dit m'bap cité y a vinn nan bouche moi et ben moun tap maron tap mouri tap crié tap résister pacifiquement tout les m'a pensé à ça c'est pas un bon moment pour apprendre une langue étrangère voilà que c'est dans moment ça me commencer à apprendre langue boycite. Donc, ça semblait en pile avec réalité, peuple haïtien. Les pagains mangent dans la caille là. Et puis, si on est obligé à l'école, comment pour l'apprendre et apprendre bien? Pourtant, c'est réalité ça. En pile, nous connaît côté où les paysans, les grands goûts, malheureux, les grands goûts, mais les jeunes possibilités à l'école, les remet l'école, là, pas apprendre. Moi-même, je pense à moun qui grand goût dans le moment ça. Je pense à moun qui pas gen courant la caillou pour étudier, c'est en bas poteau électrique, là où je nous ai lumière, là où je suis là. L'équipe qui travaille ensemble avec moi, nous avons fait gros sacrifice malgré l'embargo économique pour nous être capable de mettre courant et pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans la province d'abord. Dans le nord, c'était 24 sur 24, dans le sud, 24 sur 24, et divers l'autre côté, tu as joué courant 24 sur 24. Ça te facilite, élève l'école pour être capable d'étudier. Les maps songe que moins courant veut dire plus blackout veut dire ou gain blackout démocratique parce que gon kidnapping coup d'état fait, ou gain blackout lumière parce qu'on pas gain électricité, ou gain problème misère grand goût. Donc qui gens pour l'école bien fonctionner. Vient plus difficile toujours. Et l'esprit m'a pensé à souffrance ça pour en même temps m'obliger à concentrer pour m'apprendre une langue difficile, c'est pas facile, même fait. Et c'est pas apprendre une seule langue, c'est apprendre plusieurs langues presque en même temps, tant que Zulu, Kiswahili. Moi, je crois que en pile dans nous qui rivaient gros docteurs en Haïti ou à l'étranger, nous gagnons pour nous 10 peuples haïtiens merci en pile. Depuis petit, maman me connaît dit connaissance et richesse. Les en Kiswahili, yon nan langue boycite, yo di akili ni mali.
ça veut dire connaissance c'est richesse. Je suis content d'apprendre le proverbe ça en Kiswahili. Et le rappeler, sa maman m'a toujours dit connaissance c'est richesse. Ça veut dire malheureux, malheureuse, parents qui comptent valeur leur connaissance, ils font gros sacrifices pour voir nous l'école. Eh bien, nous-mêmes, nous apprenons, nous sentons que c'est une façon pour nous montrer que nous comprenons le sacrifice que nous faisons. Nous apprenons la langue avant de commencer à écrire le travail ça. Eh bien, nous sentons que c'est une façon pour nous dire, peuple haïtien, je suis fier de vous. Ou fait sacrifice pour moi, ça, c'est la gloire m'a attiré sur tout. Donc, apprentissage de langue, il fait tout à travers l'université et à travers le terrain. L'aime dit terrain, ça veut dire la province. Je suis obligé d'aller à KwaZulu-Natal, chita ak malere, paysan, frem, sem, tende yo, comparer ça qui écrit dans le livre avec ça m'a tende avec oreille moi, pour moi, non seulement aspect langue là à partir de racine ni mais aspect psychologique qui derrière langue là pour me capable connecter li avec sa nouvelle psycholinguistique donc qui ramasser et la caille et ici c'est continuellement qui maman nous Haïti c'est maman nous donc ça permet moi faire comparaison yo plus facilement. Alors c'est pour me dire deux mots sur route moi saute passé à côté moi signaler sacrifice parents habitués fait pour petit yo et qui mélanger avec sacrifice peuple haïtien t'a fait après kidnapping là qui pas créer un bon environnement pour moi-même pour me t'a apprendre mais comme m'habituer traverser quand coup peuple haïtien moment difficile ça pas t'empêcher que m'apprendre langue là et puis m'écrit travail. Il y a plusieurs exemples que nous t'a capable bailler mais on prend une. En 1994 les moins venus ici pour investiture président Mandela, lui parler en anglais et puis après ça il parlait en ici Xhosa. On y rit parce que mot ici Xhosa l'ont prononcé ouais que son autre bagaille, hein, son autre bagaille. Bon, m'étais senti qu'on contentement passé dans étranger visiteur l'autre chef d'état était là et peuple africain même. Le président Mandela a commencé à parler dans la langue mamal, qui c'est ici Xhosa. Ça, c'est un clic qui vient dans la langue. Et clic, ça, c'est un clic, nous allons dire, lateral. Ou prononcer le sous-côté. Ou Xhosa, par exemple, pour dialoguer, c'est ça que ça veut dire. Bon, l'autre clic, nous allons dire dental. Par exemple, sorry. Ou koutre la. Ça veut dire que, ou tande me prononcer un mot, mais ou wè que gon ti son qui vient la dani par devant. Ou koutre la. Hein? Son lot clic. Si me prend par exemple, ça nous rele, un troisième clic, alvéola. Exemple. Ou tronda. Ou wè ça a pi fort. Hein? Les différents de deux premiers. Yo. Les mêmes, nous prononcer le comme ça. Parce que faut que c'est comme ça pour nous prononcer. M'vire dans Zulu, gagne environ 15 sons comme ça. Bon, 3 ça qui pi vini qui vinn pi souvent yo, même te gagne avoir plusieurs lots encore. Gagne 15 au total environ. Eh ben ça c'est l'angle là, mais le marché avec une vibration qu'on senti dans l'amour, dans le cœur, dans l'esprit yo. L'air ou à parler parce que les différents de l'autre. C'est mal en créole, créole gagne pas le tout. Me songe les moi venir aux Nations Unies. Eh bien, cou moi virer sous créole. Moi ouais, réaction psychologique là. Ça l'a tremblé. Haïtien qui était là yo, ou senti un courant passer avant si courant un courant 110, il tourne en courant 220 volts immédiatement parce que au niveau psychologique, ça rappelait mon nom. Racine ni. Ça rappelle la culture pâle, ça rappelle la réalité pâle qui est différente de la réalité de l'autre langue, l'autre monde qui parle l'autre langue. Ça c'est panne, panne c'est panne. Bref, donc, ou pas qu'à garder créole, ou bien kiswahili, ou bien anglais, ou bien allemand, ou bien latin, ou bien grec, ou bien hébreu, ou bien portugais, différentes langues ça y est, sans en même temps, ou pas chercher à comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit de monde qui parle l'anglais.
Et c'est dans ce sens ça me dit que l'on fait psycholinguistique, il n'y a aucun avantage pour comprendre le monde plus bien. Créole là, c'est une première réaction psychologique africaine qui est arrivée comme esclave en Haïti. Depuis les météos sur bateau, ça qui est calagé quand on est dans la mer. Yo lagé ko nan la mer pour montrer que yo pas d'accord avec esclavage là. Donc nan may yo, nan l'esprit yo, yo pas d'accord. Lè yo rive la caille, yo inventon langue. Yo accouchon langue qui sont l'autre expression de rejet. Mou rejete esclavage là, même si m'obligé travailler comme esclave, mais nan l'esprit m'pa vle l. Et ben lè n'pral rive nan 1804, ou pral vini joine yon l'autre image politique de sorte déjà ouais comme image linguistique. Image linguistique là, c'est accouchement l'anglais. L'anglais existait avant 1804. Donc psychologiquement, nous t'ai déjà montré que nous libres de par accouchement l'anglais. Politiquement, nous venons prouver les en 1804 dans cette nouvelle cassation esclavage là. C'est ça que fait jusqu'à présent. Les noms dit mental slave, yo esclave mental. Immédiatement nous dit faut nous casser chaîne qui n'a cerveau. Et Koudiaï Gombel chante carnaval côté li parler de casser chaîne dans cerveau. Donc c'est pour carnaval 2004 là, l'on t'a pas fêter 200 ans d'indépendance. Et effectivement, sous pas casser chaîne qui dans cerveau moun. Moun a toujours été complexé par rapport à créole. Il y a pour honte parler créole et là gon blocage dans cerveau parce que gagne un microbe dans cerveau, gagne un virus de préjugé que met dans cerveau qui fait que moun qui parle français, li pensait que le plus parce que moun qui parle créole. Pas tout le monde. Mais si yon moun parle français ou pense au plus passé moun ki parle créole, moun sa faut al garder pour combien chaîne ki ma cerveau la mesurer comme mètre comme kilomètre et pour aider le par l'éducation dans le respect kase chaîne ça pour pas complexer de la parler langue maman et me prend créole m'ta capable prendre n'importe qui l'autre langue africaine côté si moun n'a pas bien éduqué li gen doit sentir l'inférieur parce que le pas parler anglais ou le pas parler français, ou le pas parler une langue que ancien colon te parlé. Donc, psychologie a li aide nous découvrir côté microbe ça yo caché, côté chaîne mentale ça yo yé pour aller chercher retirer yo. En linguistique, très souvent yo parlé ou de langue minorité par rapport à langue majorité. Est-ce que youn gen droit dominer l'autre? Non, youn pas gen droit dominer l'autre. Mais pour ou ka aider que yon pas aider pas dominer l'autre, les bons pour entrer dans tout aspect l'anglais au niveau philosophie. C'est pour ça doctorat, son doctorat en littérature et philosophie. Au niveau théologie, au niveau sociologique, etc. Titre livre là, c'est en Zulu que lié. Umoya Wamagama. Umoya veut dire l'esprit. Wamagama veut dire mot, parole au pluriel. Donc, c'est the words Wamagama. The spirit Umoya. The spirit of the words Umoya Wamagama. En créole, l'esprit Moyo. Ça veut dire le bon mot qui devant moi, je vais regarder pour moi qui s'est caché derrière moi. Et qui s'est dans l'esprit moun qui a utilisé moi ça. Et qui s'acte dans l'esprit monde qui t'a utilisé Moussa dans telle circonstance, tel genre, etc. Donc, déjà dans le titre là, nous indiquer la route psychologique que nous allons prendre. Et ça permet de ne pas avoir trop de difficultés. Nous avons passé de psychologie à philosophie, de philosophie à théologie, de théologie à sociologie, de sociologie à linguistique pour faire travail là. Donc, titre là, déjà en créole, l'esprit. Moyo, montrez-nous que nous pas ne garder Moyo et puis pour nous lettre qu'il a dans nous seulement, ça ne pas regarder ça qui a passé dans l'esprit moun qui a prononcé moi. Ou gen 456 pages qu'il a. Notre travail ça, gen plusieurs découvertes ces souterrains ici comme faire en Afrique et que moi mettez en dans travail là. Mais très souvent, c'est comparer yo avec Salakai pour qu'a montrer qui gens nous proches au niveau psychologique qui gens créole avec langue africaine t'apparaît éloigné au niveau linguistique. M'pa pas raconter toute découverte ça parce que j'aime dire encore
ça quand devant client pour aller dehors tout à l'heure puisque l'université va le publier. Simplement qu'à signaler quelques petits points moi crois qui est important. Un gros problème nous gagne la caille. C'est problème bon Dieu. Pour que ça me dit c'est problème bon Dieu, c'est parce que ils utilisaient bon Dieu depuis sous temps l'esclavage, les Christophe Colomb était pareil avec croix pour qu'à rentrer dans l'esprit monde qui était esclave, que c'est dans nos bon Dieu même qu'il a vienne civiliser. Depuis les ça jusqu'à Kounia, l'ordre dit bon Dieu, faut aller chercher garder moun qui tande là qui ça le comprendre. Moun qui dit là qui ça dans tête li. Est-ce qu'il comprend ça l'a dit et moun cap coûter est-ce que yo comprendre même bagaille? Parce que sinon ou capable utiliser un mot important bon Dieu pour kembe chaîne qui dans cerveau toujours dans cerveau. Les moun par exemple prend ganga. Si ou aller Congo ou parler de ganga ou bien aller Tanzanie ou aller Ouganda, me dit Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi, ça nous relie Afrique est là. Mot ganga important pile en Kiswahili parce que li c'est un mot que moun besoin chaque jour pour soigner moun qui malade. Hein? Kou ganga c'est soigner, guérir. Tout le monde t'a aimé ça. Voilà que la kaye lor di ganga, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire que c'est quand coup c'est diable qui passe par boko ou gan kap fait mal. Je pense là, il est très dangereux. Les nous utiliser un mot important en kou ganga sans ne pas regarder qui gens en septio te utilisé mot ça et qui ça mot ça te veut dire pour yo. Parce que si m'a parlé de bon Dieu, m'ka dire bon un monde de poil ka ganga ou fait péché. Imagine un malheureux qui pa gen cob pour l'alcaï docteur, pa même gen clinique côté l'a vive nan monde nan. Petite li malade. C'est un ganga kabal on te pour guérir petite là. Mais peut-être des fois malheureux agin doit penser le fond péché si l'alcaï ganga. Mais on gan li même tout, li doit font bagaille mal les conscience li poussel prend trop cob nan même monde pour une simplicité que li dit pour le faire pour petite là etc. M'pa vle dire pour ganga ou faire ça qui bon ni m'pa vle dire pour parler de bon Dieu ou dire ça qui bon. Ça dépend de qui moun k'ap parlé de bon Dieu, qui moun k'ap parlé de wanga, mo wanga tout ou je ni nan isiZulu, je ni nan Kiswahili ou je ni nan créole. Donc l'important pour nous découvrir un rôle moyo, sens moyo, force moyo, tradition que moyo porter avec yo. Si nous peur garder tradition, nous ca continuer à utiliser même moyo pendant que nous pas ta remet continuer à serrer chaîne qui dans cerveau. Ça c'est un bagage moi quoi qui extrêmement important pour que les yon moun utilise un mot si ou gen possibilité à la racine moa, à la moelle moa pour réfléchir sur est-ce que jodi elle nous dit tel mot li gen même sens avec les yote kon dit tel mot avant 1804 ou tout de suite après 1804 etc. Et c'est pas seulement en Haïti, c'est presque tout partout côté que te gen l'esclavage. Par exemple soit l'université Afrique du Sud ici gon un département qui relé département langue africaine. Département ça important parce que non seulement il permet étrangers qui veulent apprendre langue africaine, il permet petite caille africain qui en Afrique continuer découvrir valeurs, richesses qui chita en dans langue yo. Il y a 11 langues officielles ici. Il y a 4 là dans tout proche. Ici Zulu, ici Xhosa, ici Swati, ici Ndebele. On parle ici Zulu sans problème les me rencontrer avec yo et me pas gain difficulté comprendre tous les trois l'autre ça yo même si me pas capable parler aussi bien que ici Zulu même comprendre tous les trois l'autre yo ça veut dire que yo proche une de l'autre si qu'on est là moi monter dans nord ici en Afrique du Sud bon m'a commencé parler ici Swana avec mon yo me pas capable parler langue j'aime faire en Zulu mais m'a capable parler avec yo et après ça n'a changé et l'aime changer si me parler Zulu yo même yo parler ici Swana ou bien ici surtout gon pont
de contact. Et bien, dans l'université, c'est quand vous mettez un laboratoire pour comparer la langue. Pour voir qui côté est proche, qui côté est différent l'une de l'autre. Et à l'avenir, est-ce que l'État pral traduit tout livre qui existait en 11 langues, en 9, en 7, en 5? Ça, c'est des questions pertinentes que vous posez pour moi réfléchir sur lui. Actuellement, il y a une recherche importante qui est dans la découverte, nous avons parlé de tout à l'heure, que m'a fait. Moi, je l'ai lu polyglotte mnémonique. Ça veut dire que m'a développé une méthode qui pour aider les gens qui sont polyglottes, donc les gens qui parlent 4-5 langues, apprendre une sixième langue plus vite. Mnémonique, pour avec mémoire. Donc là encore, psychologie est importante pour l'aider à découvrir le fonctionnement de la mémoire. Eh bien, c'est intéressant pour les gens qui parlent l'école, ou bien qui fait ça les préparatoires 2 ou bien élémentaire 2 la caille Boysit, les capables de parler facilement 3 langues parlent. Et pour l'apprendre au 4e, il n'y a pas de problème. Si on est là, on en veut et il y a une possibilité, eh ben, ce n'est pas seulement la langue africaine que le capable d'apprendre, mais le cas apprendre diverses langues. Moi-même, je suis sorti en Haïti, ça n'a pas empêché que si je me rencontre avec un Allemand, nous parlons, il n'y a pas de problème, n'a parlé. Moi, je suis juif, n'a parlé l'anglais. Nous virer en portugais, n'a parlé italien, nous parler espagnol, nous parler. Je ne dis pas dit ça pour me dire valer la langue que je parle, je dis ça pour me donner un exemple bien concret, comme un Haïtien qui t'en coup en pile d'autres Haïtiens qui sont plus intelligents passés, si vous avez joué la même possibilité de me joindre, eh bien, vous avez parlé facilement une douzaine de langues. Tout. Ça veut dire que c'est voix bon, c'est moyen manqué. Ou vivre en Afrique, c'est voix bon, c'est moyen manqué. Parce que grand pile monde qui n'est pas à l'école en Afrique. Pour même raison que colon yo t'est empêché que yo à l'école et yo t'est empêché nous même à l'école. Donc connaissance là, li pas marcher à couleur moun. Connaissance c'est en dans cerveau allié et cerveau pas gen couleur. Ça veut dire que si moun nan joine moyen, joine possibilité, même j'en moi capable en dizaine langue facilement, li capable parler une douzaine langue facilement tout. C'est pas tout moun qui doué pour parler en pile langue, mais li ka utiliser même puissance li gen dans cerveau là. Pour faire des bagailles qui sont extraordinaires comme des génies. La caille, nous avons des génies par milliers. C'est moyen qui n'ont pas gagné. Ici en Afrique, c'est génie sous génie qu'on a rencontré. Mais c'est moyen qui n'ont pas toujours gagné pour développer toute capacité qu'on a gagné dans le cerveau. Donc, moi, je crois que c'est assez clair. Si je prends exemple, langue, nous avons viré en mathématiques, nous avons viré en physique, nous avons viré en chimie, pour que les gens que. Colon yo te font gros travail et te injecté un virus de complexe infériorité dans cerveau moun, mais au fur et à mesure que n'a avancé, eh bien faut nous réduire dégâts virus ça a fait pour libérer cerveau yo, pour cerveau yo capable continuer faire merveille. J'aime dire le redire encore expérience n'a fait ici dans le laboratoire linguistique, me prend simple question polyglotte mnémonique là avec tout contact moi fait toute recherche moi fait sur lui moi ca puis devant prouver que ou bon moun qui parlait 4 langues en combien de temps m'a fait moun ça apprendre une 5e ou bon moun qui parlait 5 en combien de temps m'a fait moun ça apprendre une 6e parce que c'est pas moi pour le mettre ça dans cerveau. Non, il est déjà là, c'est un aider m'a aider cerveau à développer plus vite capacité le gain pour apprendre langue. Et même ça nous dit pour linguistique là, nous capable dire pour l'autre champ de recherche tout. Afia nibora kulikomali. Ça, c'est un proverbe en langue swahili qui veut dire santé, plus important, plus bon, pas ses richesses. Santé, plus nécessaire, plus important, plus bon, pas ses richesses. Afia, santé, en swahili. La caille, l'eau n'a mis un paysan qui prend le travail. Yon nan bagay ou ka observe, yo pon grog, yo bwe tafia. E lèl fin bwe grog la, l bwe tafia, li sentil 10 om, paske li sentil en fòm pou l travay. Li chante, li travay, li kontan. Afia. Sou mande m, y a de cela 3, 4, 5, 6 ans, sa mo afia vle di,
ça mot tafia vle di m'a dou clairé mais sou mande m kote racine yo soti m pa te connais c'est les m'a pas prendre ki swahili moi ouais afia nimbora kuliko mali et pour mot afia tout près tafia afia tafia dit tout près et ta en ki swahili indiquer ça pour le passé puis devant c'est le futur ça pour le fait nita ona mbral wè. OK donc ou prend ta ou coller là avec afia li vin ba ou tafia li gen ou indication de ça pour le vini et en même temps moa afia tafia ouais tout proche alors moi prend ti exemple ça qui est très simple pour montrer qui Jean santé a son force. Force là, c'est un pouvoir mental. Pouvoir mental là, ou sentir dans le cerveau, ou sentir dans ou même, ou sentir ou en forme sous compact en bon créole pour qu'a fait son envie faire, si c'est au travail ou rien pour faire, etc. Là, par exemple, nous passer de réalité moa, letio, à réalité culture là, c'est intéressant pour voir que gens, des fois, ils sont connectables ou bien ils sont connectés. Il y a plusieurs autres mots comme ça que nous sommes capables de continuer de détailler. J'aime dire, dans le travail de recherche, là, nous avons besoin pile là-dedans. Pour moi, je crois que l'on attitude des gens qui veulent imposer la langue par rapport à des gens qui respectent la langue de l'autre monde. Tout de suite, tout, on peut dire que les gens qui respectent la langue de l'autre monde sont déjà plus libérés mentalement. Je me fais écrire ici, pendant que je apprends la langue africaine, il y a des gens qui disent, mais est-ce que vous parlez afrikaans? Je dis, ek koni afrikaans, ma ek sal lera. Ça, c'est une phrase en afrikaans qui veut dire, je ne pas qu'on parle la langue, mais je vais apprendre. Son un respect que m'baye les m'indiquer que m'bra l'apprendre même si m'étais obligé choisir apprendre l'autre langue plus vite que langue ça mais moun qui parle langue ça afrikaans blanc yo senti que montrer respect pour yo et m'pensais que c'est ça pour nous ta joindre tout partout les n'a comparer langue à langue pas gon langue qui supérieure l'autre langue pas gon langue qui est plus important que l'autre langue. Parce que chaque langue est plus important pour les gens qui parlent là comme langue maman. Donc, il y a une égalité entre langues, il y a une égalité entre les gens. C'est là le respect de la langue qui est important. Parce que nous-mêmes, haïtiens, nous connaissons ça, ça veut dire respecter les gens, respecter la langue de l'autre monde. Mais très souvent, ils ne respectent pas le créole. Et ils ne apprennent pas à respecter la langue maman. Yo plutôt mettez un microbe dans tête timouna pour que timouna complexé pour que de sentir l'abvine plus s'il parlait plus français alors que oui il est bon pour l'apprendre parler français sans pas mépriser créole donc je voulais signaler importance respect qui gagne entre moun ak moun et qui doit gagner entre langue ak langue tout faut garder et lo ap ouais moyo racine moyo et lo ap chercher ça caché derrière moyo là où est mot créole yo lettre li plus proche français qui c'est petit latin là où est l'esprit qui caché derrière moyo li plus proche afrique parce que mentalité africaine la culture africaine la traditions ancêtres nous yo gens yo té vivre entre yo gens yo té goumé pour liberté et ben ouais que c'est l'esprit ça qui traversait langue créole là et qui traversait moun k'ap pale langue là lò ap observé yo sou rive la caille ou je nou la cour a li déjà montre l'Afrique parce que en Afrique ou je la cour tout et la cour c'est image ou famille parce que dans philosophie africaine là un moun ou c'est un moun tout bon les ou vivent en communauté, leur vivent en famille. C'est communauté qui permet qu'on identifie
comme un monde tout bon. Si vous êtes un grain de 5 ou pas mis là, vous n'avez pas un monde tout bon pour Africain. Ça, c'est ça nous jouons dans les ancêtres, c'est ça nous jouons dans la tradition africaine, dans la culture. Nous. Mais là, vous n'avez pas les créoles. L'esprit, ça, c'est lui qui te guide. Et c'est l'esprit de famille qui va jouer dans la cour, côté mon appel créole toujours. Pour que ça moun voyons un plat manger par un autre moun, les voisins pas manger, et puis les recevoir un plat manger de voisin. Ça veut dire que la solidarité montre que c'est un coup famille à vivre. Mais les y a fait ça, c'est pas en français, non, y a parlé. C'est en créole, y a parlé. Et l'oral caché, l'oral garde ça caché derrière l'anglais, où est l'esprit famille ça, où est qui côté le sorti, sorti en Afrique. Et civilisation Ubuntu, ce n'est pas seulement un bail qui est important pour Haïtiens, comme petite petite l'Afrique, c'est important pour le monde entier. Parce que dans le monde entier, où est que c'est l'argent, c'est intérêt, c'est pouvoir pour pouvoir, pouvoir politique pour pouvoir politique, pouvoir l'argent pour pouvoir l'argent. Plus le monde a pouvoir politique ou bien pouvoir l'argent, c'est plus il sent-il capable de craser l'autre. Donc il n'y a pas à faire solidarité avec vous. C'est pour ça que vous parlez de globalisation. Quand vous avez une grosse machine qui marche, craser petit, craser malheureux, craser pauvre, sans ne pas avoir aucun rapport avec solidarité, moun à moun, respect, moun à moun. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas à parler l'anglais sans ne pas comprendre qui côté l'anglais sorti, qui l'esprit traverse moun qui était accouché l'anglais. Je dis à qui ça pour faire pour nous faire l'esprit solidarité, l'esprit de famille, l'esprit respect, ça continuer à manifester dans tête monde qui parle l'anglais. Et plus nous faisons, c'est plus nous avons fort. Parce que nous avons comparé une langue à un pied bois. Pas un pied bois qui a campé pour résister les cycles qu'on a passé s'il n'y a pas une racine qui font. C'est même bien qu'une langue. C'est même bien qu'un peuple. Pas un peuple qui est capable de camper dans l'autre peuple s'il n'y a pas respecter langue parle parce que langue parle c'est racine ni. Donc très souvent moun a coupé racine ni sans le pas connaître ou bien yo fait le couper racine nan même pour le capable gagner un complexe d'identité, un complexe et une infériorité qui fait le sentir inférieur parce que langue parle la son langue inférieure donc le sentir inférieur non pas rien ça. Et c'est toute une éducation pour faire les n'a parlé de langue pour que moun n'a pas considéré langue parle la inférieure. Et gardez anglais. Africain parle anglais avec accent pâle. British là, anglais qui soutient l'Angleterre, parle anglais avec accent pâle. Américain, il parle anglais avec accent pâle. Grammaire li pour nous toutes. Mais capable gagner une différence de accent leur parler anglais sans que ou pas obligé sentir que faut ou parler même gens avec blanc américain pour qu'a sentir ou supérieur. Non, blanc américain pas supérieur et blanc anglais pas supérieur blanc américain, africain pas supérieur américain, américain pas supérieur africain, nous égal. Nous tout égal. Gon différence nan jan yo parle anglais, mais ça pa vle di que gon différence youn ki pi haut par rapport à youn ki pi bas par rien sa pièce. Et me penser que si nous font enquête la caille pour nous wè qui sa moun pense de créole. Est-ce que le penser que créole là li égal égal français égal égal anglais égal égal allemand égal égal l'autre langue pour ta combien monde qui pensait comme ça et combien monde qui malgré que yo passé l'école ou plutôt à cause de l'école yo passé yo vinn complexé et là son travail éducation mandé en pile habilité en pile intelligence parce que les racines ne fin pousser ou bien les microbes la fin font gros travail dans cerveau li pas ka sorti en 2 minutes, ça prend temps. La question là fait penser à semaine ça. Nous avons regardé des nouvelles dans le canal TV5 en langue française, dans Aswe. Et puis, il y a un Français qui parle français en France. Et puis, les livres à côté, il dit en bon français, stand by, et puis il continue. nous rit parce que c'est nouveau pour nous. Français, longtemps, c'est tellement fier de langue française, il pas mêlé avec anglais. Au là, m'entendez un français qui parle français en France et qui dans phrase là il dit en bon français stand by et puis il continue. Il pas même dit en bon anglais, en bon français stand by, reste campé, reste tan. Pour montrer qu'il est français a anglais a envahi et anglais a l'a continué envahi en pile langue. Moi penser la difficile pour nous bloquer anglais.
je ne t'avais pas bloqué si nous t'avions bloqué. Parce que il marchait avec une puissance économique. À cause de puissance économique, il envahit tout partout. Par contre, l'on prend la Chine qui a développé le commerce, qui positionnait pour le numéro un en fait business, ou aux États-Unis, oui, anglais, c'est le campé en flèche, mais made in China, c'est made in China. Ça veut dire que le produit a fait en Chine. Donc là où une puissance économique, la Chine qui a monté, avec une puissance linguistique, anglais qui a monté, qui prend le fait que l'un est obligé d'entendre avec l'autre. En ce sens que l'anglais n'a pas arrêté pour éliminer la langue chinoise. Là, il n'est pas capable. Parce que la chinoise, là, il marche avec une puissance économique d'elle. Et la langue chinoise, là, il n'est pas facilement empêcher l'anglais d'ouvrir ses lits. Parce que l'anglais a déjà pris un pile espace à travers le monde. Moi, je pense, par contre, au fur et à mesure que les linguistes ont travaillé et l'autre monde comprend qui travaille, qui vient pour faire au niveau psychologique, ça peut aider. Il y a plus de respect entre langue et langue. Longtemps, la caille, il y a un faux débat qui peut finir de mourir, qui continue à faire des dégâts. Pourquoi ça me dit son faux débat? C'est là, il y a une bataille, est-ce qu'on peut plutôt français, est-ce qu'on peut plutôt créole? Comme si je disais, si on peut plutôt créole, il ne faut pas parler français. Ou bien si on peut plutôt français, il ne faut pas parler créole. Son faux débat, je disais. Si mon nom, il est intelligent, il y a un pouvoir dans ses vols. Pour l'apprendre ni créole ni français si nous bal moyen. Donc au lieu nous goûmer pour nous dire nous pas en français c'est en créole seulement nié. Ou bien nous pas en créole c'est en français nié, en goûmer pour nous mettre possibilité. Ça qui plus remet créole, l'avancer plus à créole, ça plus remet français, l'avancer plus à français, mais au moins gain égalité, gain respect pour toute langue. Donc m'pa peur anglais. L'aime camper sous racine créole moi. Parce que je n'ai pas honte créole, moi. Ni je n'ai pas maintenant tête moi que j'ai une puissance économique qui marche à créole là, qui est capable de correspondre avec la puissance économique qui est anglaise ou bien qui est française. Ben, elle est plus psychologique que économique. Elle est d'abord psychologique avant que économique. Si psychologiquement dans l'esprit chaque monde, on est convaincu que la langue parle la son langue, tant que toute langue, il n'y a pas pour honte la langue, il n'y a pas pour le sentir l'inférieur, il n'y a pas parler l'anglais. N'il pas obligé de parler français pointu, même Jean-Français a parlé français pointu, il suffit que lui respecte les grammes, lui parle français Jean le capable, sans le passer sentir complexé, et bien laisse ça, lui gagne la paix dans ses vols. Nous, on a habitué à dire la paix dans la tête, la paix dans votre. La paix dans la tête, là, il a tout au niveau psychologique pour le monde sentir que les sont monde tant que tout le monde. L'anglais sont langue tant que toute langue, les bagages pour le sentir inférieur, les crampons au côté pour la parler langue parle. Et ce n'est pas ça qui empêchait que l'apprendre plus de langue. D'ailleurs, il y a des gens qui me demandent, mais est-ce que c'est ça? Quelle langue vous parlez? Je dis exactement. Si je dis une parole dans la bouche, il faut me prouver dans la pratique. Les gens qui commencent à parler, ils commencent à parler créole. Je parle créole avec eux depuis le fait. Maman, ils fait aux États-Unis, même s'ils sont haïtiens, natif natal, parce que papa, maman, c'est haïtien natif natal qui fait en Haïti. Ils tout parlé créole, mais maman, parce que lui apprend anglais depuis le fait, il était capable de commencer à apprendre Timounio anglais depuis le fait. Nous pas fait comme ça. Mais nous pas empêché Timounio de garder, par exemple, un film comique en anglais. Pendant que les n'a pas avec eux, c'est créole nous pas avec eux. Les ont commencé à avancer, nous parler et créole, et français, et anglais avec eux. Quand il y a, parlé quatre langues. Pas aussi bien une que l'autre, mais presque. Parce que qu'ils apprennent l'espagnol tout. Pour qui ça m'apprend l'espagnol, ils ont 7, 8, 9 ans. Parce qu'ils ont une base linguistique qui est solide. Puisque n'y a pas de complexe là-dedans. Le fait que tu ne parles pas créole avec lui, il n'y a pas de créole là, il ne parle pas français avec lui, il n'y a pas de complexe devant français, ou parler espagnol avec lui, il n'y a pas de complexe. Donc, je pense que la grande génération qui vient de côté, si moun en Haïti apprend langue plus vite parce que y a moins gêne de langue panouan langue maman créole. Hier soir précisément ouais, que président Mbeki, première dame nan, ministre éducation nationale là plus plusieurs autres monde qui dans bureau président, y était dans cérémonie à l'université et à la fin nous t'a parlé
et me t'a pour remercier président dans la conversation nous pour dernière lettre que l'écrit chaque semaine les une lettre par rapport à l'esclavage. Et il y a un peu haïtien quoi sur internet là qui a occasion lili côté président Mbeki commencer lettre ça avec un passage plutôt un paragraphe sur Haïti. Côté le rappeler qui Jean anciens ancêtres africains nous l'ont arrivé en bas qui ont été gourmés pour l'esclavage etc etc et puis il parlait de Toussaint Louverture. Président Mbeki a en pile admiration pour Toussaint Louverture. Lili en pile sur Toussaint Louverture, tout le connaît personnalité, elle connaît qui ça Toussaint Louverture représentait pour le monde entier, pas seulement pour noir mais pour le monde entier par rapport à ça qu'elle t'a fait et ça qu'elle t'a subi. Dans travail recherche ça, il y a une documentation qui montre qui Jean Français yo t'a avili image Toussaint Louverture. Je choisis dit avili image Toussaint Louverture parce que il y a pas de cas avili Toussaint. Il écrit vie bagay pour sale image Toussaint pour traiter de tout ça qui pas bon. Même si c'est grâce à Toussaint que la main Napoléon t'a gagné une si grande personnalité dans le temps qui était Toussaint Louverture et qui t'a fait une série de merveilles à l'époque. Donc, si je dis, yon moun gade lettre président Mbeki écrit sur finissement l'esclavage, il commençait avec contribution Haïti dans combattre l'esclavage, ou aller dans le travail recherche ça par coïncidence, ou aller joindre une documentation qui montrait qui Jean était utilisé langue à l'époque. Français ont utilisé langue française pour kembe moun dans l'esclavage, metchen dans cerveau. Africain en Haïti, esclave, t'ap utilisé langue payo, créole, pour casser chaîne dans cerveau, pour permettre que moun qui était déjà libre, joindre l'autre monde qui vient libre, pour ensemble, yo accouché 1804, qui vient faire que Haïti, c'est le premier peuple nègre noir d'Afrique qui prend indépendance li, dans le monde entier, etc. Donc, travail ça, je ne fais pas seulement parce que je remets la langue, je fais tout parce que je suis sûr que je vais aider les Africains et les Haïtiens à joindre en pile racines que nous avons déjà gagnées en commun en base de l'appli travail. Nous allons comprendre l'autre plus et nous allons courir l'autre plus pour ensemble nous continuer à marcher. Donc, je n'ai pas de doute que ça a fait. Je me rappelle. Pour finir, il y a une rencontre publique qui était faite l'étape inaugurée place Tabac dans Port-au-Prince. Côté comme chinois ont été aidés dans travail ça. Moi dit peuple haïtien nous-mêmes nous sommes grand peuple. Nous pas jamais gain complexe pour nous dire merci, les pour nous dire merci quand qu'on nous pas jamais mettre à genoux pour nous dire merci bon papa, les ou colon ou bien un nouveau colon t'a voulu faire mettre à genoux. Nous pas mettre à genoux devant colon ni devant nouveau colon. Et me dit parce que chinois ont montré respect pour nous gain respect pour yo on dit yo merci dans langue pa yo chier chier psychologiquement ou te ka ouais réaction mon yo content parce que yo ouais y a dit merci dans l'autre langue à moun qui respecte yo donc c'est en même temps utilisation un mot dans l'autre langue qui marchait avec fierté avec dignité avec ça mon gen dans cœur dans l'esprit dans compréhension ni dans sal dans veni dans culture dans l'histoire respect dignité fierté moi sûr que si jodi a au lieu de chercher en chinois pour dire merci nous dit les mon bon relation qui établi entre Japon et Haïti côté yo camper dans l'égalité dans le respect avec nous pour nous faire un bail qui belle. En nous disant arigato gozaimashita, qui voulait dire en japonais merci, il est content tout. Parce que il n'a pas dit merci pour flatter. Il a pas dit merci dans la langue pour féliciter parce que vous avez déjà montré qui gens ou respecté, qui gens ou comprendre que faut ou respecter la dignité, etc. Et nous sommes capables de passer dans plusieurs autres cas pour montrer qui gens l'anglais. Li existe, il marchait avec ça qui est dans l'esprit moun. Si longtemps il était utilisé langue pour mettre chaîne dans cerveau moun,
je dis on a utilisé langue pour casser chaîne dans cerveau. Well, if I may close, because time, in Zulu there is a fantastic proverb saying, "Isikati sidliwe inja." Once you say that, you would see the Zulu people laughing and laughing because that means time is over. But word for word, it means the dog already ate the time. So I must leave now.